Virage à droite, mademoiselle. Je suis prête. Attention, il y a des trous par ici. Vous allez être tranquille un moment. La chaussée vient d'être réparée. Merci. Vous serez à l'heure à votre rendez-vous. Maintenant, je dois changer de fil. Attention. Prête? Oh mon Dieu, tu as eu un malaise? Oh, tu m'as fait peur, je m'étais assoupie. Voyons, les gens de Saint-Pierre veulent voir la collection dans 15 minutes, alors dépêche-toi. Oh. Faut y aller? Oui. Oh, peut-être que tu devrais aller te remaquiller un peu. Oui. Ça va mieux? Tu as encore veillé cette nuit? À 3 heures, j'ai trouvé ce qui me dérangeait dans les croquis. Ne me dis pas que tu as tout recommencé à zéro. Mais c'était nécessaire. Denise me fait entièrement confiance. Il fallait que je refasse la collection. On ne t'a jamais dit que tu étais trop impulsive. Oh, et puis ce matin, mon taxi a failli renverser un homme dans la rue. J'ai eu une de ces peurs. J'imagine. Quand tu m'as réveillée, je faisais un cauchemar. Il y avait 2 plis au lieu de 3. Oh, non, c'était une chute. Serais-tu devenue humaine? Tu as raison, je manque de sommeil. Non, si c'était que ça, ce ne serait rien. Kelsey, ne me dis pas que c'est un homme qu'il me faut, s'il te plaît, ne me dis pas ça. Je t'assure, rêver quand on n'est autre qu'un signe d'anxiété. Tout le monde sait ça et tu peux me croire. La seule manière de se débarrasser de l'anxiété, c'est encore de rencontrer un homme séduisant. Qu'est-ce qui t'arrive? Je dois retourner à la salle de bain. Mais tu en viens? Je dois y retourner et je te retrouve en bas. Je dois faire quelque chose? Non, contentez-vous de regarder là-haut.
et d'écouter le métronome. Et rappelez-vous ceci, l'hypnose n'est qu'une concentration dirigée. Une concentration dirigée qui nous aide à démystifier les tourments de notre esprit. Je vais très lentement commencer à décompter de 10 jusqu'à 1. Tandis que vous entrez dans un tunnel sombre, très accueillant. Un tunnel dans lequel vous vous sentez bien, calme et détendu. Vous n'avez aucun souci. Aucune peur. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Vous voyez une porte devant vous. Et derrière cette porte se trouve une lumière. 4. Cette clarté représente l'époque. Vous étiez heureuse et insouciante. Avancez vers elle. La lumière devient de plus en plus éclatante. 3. La lumière est tellement vive à présent que vous pouvez à peine la regarder. Vous êtes presque arrivé et vous allez ouvrir la porte. Et entrez. 2. Tournez la poignée. Et 1. Poussez la porte. Ce sont mes cousins, Hilary et Beverly. Nous sommes dans le jardin de grand-mère Ross. Oh, c'est l'endroit que j'aime le plus au monde. Très bien. Maintenant, tranquillement, vous allez traverser le jardin jusqu'à une autre porte. Vous êtes tout à fait détendu. Vous apercevez la porte derrière laquelle il y a une lumière. Cette clarté représente l'époque qui provoque vos cauchemars. Vous n'avez pas peur. Avancez vers elle. Vous êtes presque arrivé. Tournez la poignée. Et ouvrez la porte. Dans une pièce, il y a un homme et une femme. Cette femme, c'est vous, Lynn ? Oui. Je lui annonce une bonne nouvelle. Oh, je me sens heureuse. Nous sommes tous les deux très heureux. En quelle année êtes-vous? Le savez-vous? En 1963. Et où êtes-vous? Dans un appartement. À San Francisco, je crois. Quel est votre nom? Je ne suis pas sûre. Et son nom, le connaissez-vous? Non. Je n'arrive pas à voir son visage. Ça ne fait rien. Maintenant, je veux que vous alliez vers ce qui, à l'époque, vous a provoqué la peur des ascenseurs. Et n'oubliez pas que vous ne faites que regarder sans participer, Lynn. Rien ne peut vous faire du mal ici. On est en train de se disputer. Je pleure. Je cherche à m'enfuir. Je cours. Je dois m'enfuir. Je dois m'en aller. Ne t'arrête pas. Il est derrière moi. J'entends ses pas. Ah.
voyez-vous? Il m'a poussée! Je tombe! Aidez-moi! Vous n'avez rien à craindre. À présent, je vais compter jusqu'à 3. Et quand je dirai 3, vous vous réveillerez. Vous vous sentirez bien et votre mémoire se souviendra. 1. Totalement détendu, réveillez-vous lentement. 2. Vous êtes presque réveillé. 3. Vous êtes réveillé et vous vous sentez bien. À présent, ouvrez les yeux. J'ai pleuré? Oui. Je vais vous donner un mouchoir. Oh, merci. Lynn, vous vous rappelez ce qui s'est passé? J'ai été... Elle a été... poussée. On l'a assassinée. La fille. Ce sont les mêmes personnes que dans mes cauchemars. Que penseriez-vous si je vous disais qu'il ne s'agit ni de rêves ni de cauchemars? De quoi alors? Je pense que ce sont des souvenirs. Des souvenirs? Oui. Et de quoi? Vous avez régressé dans une vie antérieure. Vous êtes entré dans la mémoire d'une existence antérieure, tout comme vous avez pénétré dans vos souvenirs d'enfant. Une existence antérieure? Est-ce que vous pouvez envisager que l'homme peut avoir plus d'une seule vie? Je regrette, je dois m'en aller. Oh. Mais nous ne sommes pas pressés. Vous devez avoir des tas de questions à me poser. Je dois m'en aller, je ne peux pas rester. Dans ce cas, j'ai une suggestion à vous faire, Lynn. Voici un enregistrement à écouter chez vous, pour vous permettre de vous hypnotiser vous-même et faire vos propres régressions. Lynn, si vous ne voulez pas croire ce que je vous dis, je peux vous parler de centaines de cas de ce genre. C'est gentil de m'avoir écouté. Merci. Grand-mère Ross et son beau jardin. C'était bien réel, n'est-ce pas? Avec cette nouvelle ligne, ce que nous recherchons avant tout, ce n'est pas la prétention, mais le mystère. Le côté sophistiqué des années 90, avec un soupçon d'innocence surannée et une petite touche d'espièglerie. Nous suggérons également pour la ligne masculine une sorte de mélange mi-élégant, mi-sportif, mariage du déstructuré et du travaillé, permettant une grande aisance, tout en restant élégant. J'ai là quelques croquis des prototypes de la collection. Bien évidemment, chacun de ces modèles peut être modifié sans difficulté, à un coût très raisonnable. Avez-vous des questions? Comment avez-vous pu croire une seconde qu'il serait séduit? 1963, plissage rétro, c'est ennuyeux, vu et revu. Vous êtes ma meilleure styliste. J'ai misé tout ce que j'avais pour que vous sortiez une collection. Savez-vous combien ça va coûter à la société? Y a-t-il un moyen de sauver l'affaire? Je les ai convaincus de m'accorder une chance de la redessiner. Je m'y mets tout de suite. Ne m'envoyez pas, j'ai désigné Kelsey. Oh. On peut y travailler ensemble, si tu veux. Vous allez prendre des vacances, Lynn. Denise, je vais très bien. Ça fait 2 ans que vous n'avez pas pris de vacances. J'appelle ça du surmenage. Vous avez les traits tirés, les yeux cernés, vous marchez comme un véritable zombie. Et comble de tout, la collection est à refaire. Vous avez 6 semaines de repos devant vous. Si c'est trop peu, n'hésitez pas à me le dire. Je veux que vous vous retapiez. Je suis désolée. Après le bip. Bonsoir, Lynn. C'est Kelsey.
Je t'ai déjà appelé il y a quelques jours pour prendre de tes nouvelles. Lynn, tu es là? Régression par l'hypnose. Bonjour. Je suis le docteur James Portman. Grâce aux séances d'hypnose et à la technique d'autorégression que vous apprendrez à l'aide de cet enregistrement, certaines images et sensations qui vous apparaissent floues deviendront de plus en plus claires et précises. La technique que vous pourrez finalement trouver utile, c'est le retour sur un lieu. Si vous reconnaissez un lieu de votre vie passée, il est souvent nécessaire de vous y rendre dans votre vie présente. Alors, allez-y et n'ayez pas peur. Ce retour peut vous aider à reconstituer le puzzle. Si j'étais à la recherche d'un immeuble et que je ne sache pas où il est, comment pourrais-je faire? Oh, il faudrait voir l'office du tourisme de la ville, ou demander un taxi sympa. J'ai fait un dessin. Ah, je vais regarder ça. Il y en a un sacré paquet d'immeubles comme ça, ma petite dame. Attendez. Ça, c'est la vue qu'on a d'une des fenêtres. Ben... Ah, en tout cas, je connais ce coin-là. Vous voulez y aller? Oui, c'est gentil. Merci. Bah. Taxi blanc, j'écoute. Oui, je vous envoie une voiture. 236 Blake Lane. Jimmy, vas-y, c'est une vieille dame. Elle dit qu'elle te connaît, tu l'as déjà conduite à l'hôpital. Tout dépend de quel côté de l'immeuble vous vous trouvez, parce que... À droite, s'il vous plaît. Bon. Maintenant, vous allez tourner à gauche. C'est là, plus loin sur la gauche. Je croyais que vous aviez jamais mis les pieds ici. Oui, en effet. Vous allez bien? Alors c'est quoi ça? J'avais demandé qu'on se débarrasse de ce coin de cette planche. Oui, très bien. Vous aurez qu'à dire quand vous voulez partir. Je ne serai pas longue. Je suis pas pressé, c'est vous la cliente? Pour la boîte. Quelqu'un ?
madame. Mais enfin, vous ne voyez pas que la porte ne ferme pas? Je ne faisais que regarder. Je m'en vais. Ne redis plus jamais ça. C'est vrai, je l'ai entendu. Dépêche-toi. Suivant. Bonjour. J'ai ici une adresse et j'aimerais savoir si une personne est morte à cette adresse en 1963. Le nom puis la date du décès, ensuite vous signez là. Je dois vous avouer qu'en réalité, je ne connais que son prénom. 1963, c'est que ce féminin de A à Z. Avec de la chance, vous la trouverez au début. Emerson, Mary Ann, 7 mars 1963, 959 Filbert Street, célibataire. Suicide. Est-ce qu'il pourrait y avoir une erreur? On indique qu'elle était célibataire. Passez au bureau 204, mariage et archives. Mais il y a encore autre chose. Il est écrit cause du décès, suicide. Je crois qu'elle est morte assassinée. Écoutez, pour un truc comme ça, allez voir la police. Hein? Il s'agit de 1963. Tout renseignement serait rangé dans les archives. Si on m'appelle, je reviens dans une heure. Ouais, d'accord. Vous êtes en voiture? Non. Prenez le funiculaire jusqu'au terminus. Ensuite, prenez le 118 ouest jusque-là. Puis la correspondance 92 Nord et l'immeuble est au terminus. Voici les heures d'ouverture. Je pourrais consulter le dossier? Oui, c'est le droit à l'information, quand il s'agit d'affaires non résolues. Merci. Je vous en prie. Excusez-moi, j'ai pas pu faire autrement qu'entendre. Ça va vous prendre plusieurs heures pour vous rendre aux archives, avec les transports en commun. Si vous le désirez, je vais demander ce que vous cherchez et ils viendront l'apporter ici. Oh non, je prendrai un taxi, c'est aussi J'assiste. Bien. J'assiste, et puis ça me fait plaisir. Je suis l'inspecteur Alberts. Lynn Matthews. Jeff. Je travaille ici. Ah. Enfin, un peu plus loin. Bon, d'accord. Oui, Emerson. Mary Ann. 7 mars 1963. Je veux le dossier complet. Hein? Oui, oui. Oui, 14 heures, c'est très bien. Entendu, merci. Oui, au revoir.
C'est très gentil, vous m'éviterez bien des désagréments. Et un droit sur les consultations. Je vais attendre dehors. Si vous voulez, venez déjeuner avec moi. Italien, ça vous dit? Oui. Oui, mais pourquoi la criminelle? C'est votre choix? Non, en fait, c'est elle qui m'a choisi. Je devais être fait pour ça. Dès mon entrée en activité, je me suis trouvé sur de nombreux coups importants et le résultat, le voilà. J'ai adoré. Alors, vous êtes styliste, hein? Mmh. Ce ne sont pas mes affaires, mais qui est cette Marianne Emerson dans votre vie? Ma mère a fait ses études avec Marianne et elle veut organiser une réunion. Oui, ma mère recherche les anciennes élèves de sa classe. Elle voudrait savoir où elles sont, si elles ont un mari, des enfants. Je me suis dit que je pouvais peut-être l'aider en cherchant ce que Marianne est devenue. Tenez. Donc, sans cette chère Marianne, on ne serait pas là? Oui. Bon, il faut y aller, les documents doivent être arrivés. Ah. Non. Laissez-moi vous inviter. Là, allez-y, je vous en prie. Ah, voilà, pardon. Voyons ça. C'est elle? Oui. Voilà comment on l'a trouvée. Inutile que je vous montre ces photos. Nous disons donc Emerson Marianne, âge 20 ans, femme de race blanche, parents proches, pas de témoin. Rapport complet de l'autopsie. Tout y est, en effet. Cause du décès, suicide. Officier chargé de l'enquête, Daniel Corso. Il est toujours dans la police? Dans ce commissariat? Oh oui. Dan, tu as une minute? Un instant, rien qu'un instant. Appuyez sur ALT, F1, sélectionnez touche B. Il n'y a pas de touche B. Saloperie! Je t'écoute, Albert, si tu as trouvé un assassin pour moi. Je te présente Lynn Matthews. Elle arrive de New York. Narré, on vient juste de brancher cette chose-là. Il faut appuyer sur les touches Alt et F1 au même moment. C'est magique, ça marche. Que puis-je faire pour vous? Merci, lieutenant. Ah oui. Mais ça ne date pas d'hier. C'était une gentille fille. Encore une de ces histoires bizarres. Si ma mémoire est bonne, elle n'a laissé aucune lettre qui expliquait son geste. Non. C'est difficile de cerner les gens, parfois. Je crois que c'est un meurtre. Je vous demande pardon? Oui, ma mère a dit que ce devait être un meurtre. Oui, mais cette enquête ne nous a pas amenés à cette conclusion. C'est un rapport de la criminelle, mademoiselle. Mais dans ce cas... De toute évidence, nous n'avons rien trouvé. Non? Et ce qu'on a trouvé conduit clairement au suicide. Aurait-on oublié un détail? C'est en effet toujours possible, mais quel genre? Dans votre rapport, elle était célibataire. Et alors? Votre mère dit qu'elle était mariée? Oui. Ça me paraît impossible de manquer un détail de cette importance. C'est exact. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci, Dan. Allez. Excusez-moi. J'étais passée vous voir à propos du mariage d'une certaine Marianne Emerson et vous n'aviez pas eu le temps de... Je suis navrée, j'ai vérifié, nous n'avons aucune trace à ce jour d'un mariage au nom d'Emerson, je regrette. Et cela concerne tout l'État de Californie? Oui. Oh, j'étais persuadée qu'elle s'y était mariée. Bon, merci. Oh, elle était peut-être pressée. Pardon? Souvent les mariages ont lieu au Nevada, il n'y a pas 3 jours d'attente légale là-bas. Merci. Je vous en prie.
Oui, qu'est-ce que c'est? Lieutenant Corso, j'ai des informations très intéressantes. Mais quel genre d'informations? C'est à propos de Marianne Emerson. J'ai découvert qu'elle était... Écoutez, je ne peux pas vous recevoir. Oh, je ne me suis pas rendu compte. Je regrette. Bon, écrivez-moi ce que vous avez découvert. Laissez-le à la réception. Je le lirai quand j'en aurai le temps. Entendu. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Mark Gage. Mark Robert Gage, le fils de Carter et Evelyn Gage. Je vous remercie. Mark est né en juin 1900. Je sais qui il est. Ah bon? Comment ça se fait? Oh, c'est un promoteur immobilier, grosse fortune familiale. Carter Gage est récemment décédé. Mark est toujours en vie? Oui. Je trouve étonnant que cette Marianne ait été mariée à Mark Gage. J'ai demandé qu'on m'envoie une copie du certificat. Mark et Marianne se sont mariés en mars 1963, le 4. La cérémonie a eu lieu dans une petite chapelle à Reno. Donc, c'est-à-dire 3 jours avant son décès. Savez-vous, je peux rencontrer cet homme. Téléphonez à son bureau. Gage Développement Immobilier. Qu'allez-vous lui dire? Je dirais que ma mère m'a demandé de prendre contact avec Marianne. Il n'est pas très facile à joindre. Pourquoi? C'est un gros bonnet. Il serait préférable de dire à votre mère de lui écrire. À moins, bien sûr, que Marianne vous intéresse. C'est ma mère que je cherche à aider. C'est un grand privilège. La police m'escorte jusqu'à ma porte. Je ne suis pas en service. Alors, vous le faites pourquoi? Rien que pour mon plaisir. Je ne peux pas vous faire entrer, Jeff. Disons que pour l'instant, le moment est mal choisi. Sachez que j'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi et j'espère ne pas vous avoir encouragé. Non, non, c'est un heureux hasard professionnel. Je cherche les encouragements là où je peux le plus les trouver. Bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, c'est gentil. Mais si j'étais tombé au bon moment... Oh, bonne nuit. J'insiste. Je suis vraiment idiot. Oh. Gage Développement Immobilier. Ça vient de San José. 357 Magnum, même calibre que les autres. J'ai prévenu la balistique. Où des gosses de 15 ans se procurent-ils ces gros calibres? Si je le savais. Oh! Ta belle brune a réapparu, tu le savais? Oui. Hé, hey, Dan, devine à qui elle croit que Marianne était mariée? À qui? Mark Gage. Mark Gage, le promoteur? Oui. Mais qui est cette fille, tu le sais? Ça, c'est ce que je vais tâcher de savoir. J'attends les résultats de la balistique. Oui, inspecteur Albert. Voilà, j'aimerais des renseignements dans la ville de New York. Je veux voir les tracés à la réunion de 17h. Bien, monsieur Gage. Vas-y, doucement! Tu permets que je t'accompagne? Qu'est-ce qui te prend de venir ici? Je veux te parler. Je te l'ai déjà dit il y a 30 ans, je ne veux plus jamais te revoir. Oui, mais comme tu refuses de répondre à mes appels, je n'avais pas le choix. Et apporte-en deux par ici. Deux. D'accord. Elle s'appelle Lynn Matthews et elle habite New York. Elle ne devait pas avoir plus de quelques mois en 63, si toutefois elle était déjà née. Dis-moi ce qu'elle sait. Elle croit que Marianne a été assassinée et que son mari, c'était toi. Je ne lui ai pas demandé comment elle le savait, c'était risqué. Elle dit qu'elle fait des recherches pour sa mère qui organise une réunion. Peut-être que c'est vrai. Je tenais à ce que tu le saches au cas où. Mais t'en fais pas, s'il faut agir, je m'en chargerai. Je suis l'affaire de près. Thank you.
Oui, bonjour, monsieur Gage, s'il vous plaît. Quand va-t-il repasser au bureau? Non, non, je lui retéléphonerai plus tard. Merci. Au revoir. Bonjour. On ne se serait pas déjà rencontrés? Je ne crois pas, non. Si, j'en suis sûr, mais ça n'était pas ici. Après vous, allez-y. J'ai oublié quelque chose. 959 Filbert. Je vous demande pardon? Vous sortiez de mon immeuble sur Filbert Street l'autre jour. Cet endroit vous appartient? Oui. Je m'appelle Gage. Mark Gage. Lynn Matthews. Qu'y faisiez-vous? Le chantier est fermé? Il se trouve que, justement, je passais à proximité et j'ai trouvé que l'immeuble était joli. J'ai eu envie de jeter un œil à l'intérieur. Vous êtes marchand de biens? Non, je me renseigne sur les logements ici. Il reste encore des gravats? Oui, j'ai vu ça. En réalité, j'envisage de m'y installer plus tard, quand tout sera terminé. Ah. Mes inscriptions, c'est au 4e. Voyez Cheryl. Merci. Voilà. Merci. Où est-ce que vous résidez en ville? Je suis à l'hôtel et je pars dans 2 ou 3 jours. Laissez-moi le numéro de votre hôtel, s'il vous plaît. Je vous contacterai dès que les locations seront ouvertes. Merci. Cheryl, confiez-moi ce dossier une minute. Oui, tout de suite. Merci. Commissariat. Le lieutenant Corso, s'il vous plaît. Un petit instant, monsieur. Corso, j'écoute. Allô? Thank you.
excusez-moi. Oui, je peux vous aider? Oui, je cherche un article du Poste de mai 75. Vous trouverez ça à rangée 4. Merci. C'est à gauche. Merci beaucoup. À votre service. La dynastie Gage se lance dans la politique. Mark Gage aux côtés du sénateur Goodman. Gage brigue le siège de sénateur. Le jeune Gage quitte l'équipe du sénateur. Vous trouverez le complément d'information dans le dossier 1062. Première rangée. Merci. La police enquête sur une femme morte dans une cage d'ascenseur. La mort de la femme reste un mystère. Les enquêteurs concluent à un suicide. Attendez, je n'ai pas encore fini. Non, ne fermez pas, je suis là. Est-ce que vous m'entendez ? Désolé, je ne voulais pas vous effrayer. Mais on est fermé. C'est très réussi. Les haut-parleurs sont en panne. D'habitude, on prévient les gens. Mes affaires. Allô ? Matthews, Mark Gage. Oui. Comme je vous l'ai déjà dit, nous ne sommes pas encore ouverts à la location, mais étant donné que vous n'êtes en ville que pour quelques jours, j'ai pensé qu'une visite vous plairait et je me mets à votre disposition pour vous servir de guide. Oh, c'est vraiment très gentil à vous. Parfait. Êtes-vous libre à 14h? Je suis libre. Entendu. Je serai sur place. Au revoir. À plus tard. Nickel. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? 38 spécial. HK-47. Où c'est? Il y avait une planque à la mission catholique. Non mais regardez ça, c'est un arsenal. Oui. Ce sont les armes qui ont servi à tuer les gosses. Il y a 2 357 au labo déjà. Envoie tout ce qui reste à Smiley. Je veux qu'elle soit étiquetée et envoyée à la balistique. Un instant, Dan. Smiley est en arrêt maladie. Vous mettez tout ça à l'abri jusqu'à son retour. Dites-lui top priorité. Ah, Albert. Oui. La fille de New York. C'est quoi son nom déjà? Lynn Matthews, pourquoi? Il y a une femme qui n'arrête pas de m'appeler, Karen. J'ai pensé que ça pouvait être elle. Au fait, t'as appris quelque chose? Non, pas encore, j'attends. Fais-moi savoir ce que tu sais par curiosité. Et méfie-toi d'elle, Jeff. En général, c'est les plus jolis, les plus cinglés. Il sait de quoi il parle.
Bonjour. Bonjour. J'ai pris les avant-projets de l'architecte, mais il faudra avoir un peu d'imagination. Merci, mais j'aime autant voir ça en l'état. Parfait. Le formulaire indique que vous êtes styliste. Oui. Laisse-les pour l'instant. Je pense que c'est pas. Depuis quand il vous appartient? Mon père l'a acheté en 50, pourquoi? Par curiosité. La plupart du temps, on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche jusqu'à ce qu'on le voit. Oui, les appartements sont comme les gens. Ah, comment ça? Eh bien, chacun est tout à fait unique et on peut toujours dire ce qui vous attire chez l'un ou l'autre. C'est comme avec vous. J'ai l'impression de vous connaître. Ça n'est pas physique, c'est plus intense. Je l'ai ressenti dès la première fois. Eh bien, peut-être que je vous fais penser à quelqu'un. Peut-être. Et que pensez-vous de celui-ci? En réalité, je préférerais être un peu plus loin. Plus loin dans le couloir. Bonjour. Pourquoi pas celui-là? J'aime celui-là. Ça ne me surprend pas du tout. Vous aviez raison. À propos de quoi? Ce n'est pas la première fois. Ah oui? C'était à New York. J'étais à l'arrière du taxi qui a failli vous renverser. Je n'y comprends rien. Moi non plus. Quand je vous ai reconnu hier devant l'ascenseur, je ne savais pas quoi penser. Est-ce une simple coïncidence? Merci. De rien, c'est naturel. Tant, tenez. Lynn, venez dîner avec moi. C'est gentil, mais non. Pourquoi? J'ai plusieurs invités à dîner ce soir et je souhaiterais mieux vous connaître. Bonsoir, Lynn. Bonsoir. N'avez-vous pas dit que vous aviez d'autres invités? Ah, ne soyez pas inquiète. Ils ne vont pas tarder à arriver, c'est le quart d'heure de politesse. Un verre de champagne? Oui. Vous habitez seul dans cette grande maison? Oui, tout seul. Parlez-moi de vous. Vous êtes marié? Non. Avez-vous été marié? C'est important. Le téléphone, monsieur. Excusez-moi. Je vous en prie. Merci. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Je reçois des invités à dîner. Je sais. Je suis en train de faire le planton devant. Tu as du nouveau?
C'est un dîner décontracté pour les affaires. Elle va rester tard. Environ minuit. J'aimerais que tu ne la lâches pas avant. Pourquoi ? Je te dirai tout à l'heure. D'accord. Bonsoir. Un peu de vin ? Oh non, merci. Où se trouve la salle de bain ? Au bout du couloir. Excusez-moi. Je t'aimerai toujours, Marianne. Qui êtes-vous ? Je n'en sais rien. Y a quelqu'un ? Thank you.
à notre fille bien-aimée. Il n'y a rien de particulier. Non. Voiture 38, il y a eu un accident sur la N84, juste après la station service. Rien de sérieux, mais... Il pense que ça a pu se casser tout seul. Pas de trace d'un quelconque sabotage. Oh, la manière dont ça s'est cassé, on pourra jamais le dire. Vous pensez qu'on vous veut du mal? Je n'en sais rien. Je vous ramène. Vous avez reçu le certificat de mariage du Nevada? Oui, hier matin. Parfait. Vous m'en ferez une copie? Oui, pourquoi? Pour mettre au dossier. Vous avez parlé à votre mère? Oui, elle est très étonnée. Elle veut en savoir plus et découvrir ce qui s'est réellement passé. Oh. Non, votre mère est décédée, Lynn. Dans un accident d'avion avec votre père en 1986. Je me suis renseigné de mon côté, voyez-vous. Ce que vous voulez savoir sur Marianne Emerson, c'est votre problème. Mais il ne faut pas me mentir. D'accord? Quand mes parents sont morts dans l'accident, j'avais 22 ans, 4 mois et 11 jours exactement. Et c'est exactement le même âge que Marianne Emerson aurait eu quand ses parents sont morts. J'ai vu la date de leur décès sur les pierres tombales. Marianne est morte le 7 mars 1963. Et le 7 mars de cette année, je me suis mise à faire des rêves. Des rêves qui revenaient sans cesse, beaucoup plus réels que tous les rêves que j'ai faits auparavant. J'ai dessiné un immeuble que je voyais dans un de mes rêves. Et j'ignorais qu'il pouvait exister jusqu'à ce que je le trouve ici, à San Francisco, où je n'avais jamais mis les pieds de toute ma vie. J'ai aussi fait des portraits de Marianne. Ils sont exactement les mêmes que les photos que vous m'avez montrées. Où voulez-vous en venir? Puisque les rêves revenaient constamment, j'ai consulté un psychiatre. Il m'a mis sous hypnose et il m'a dit que mes rêves n'étaient pas du tout des rêves, qu'ils sortaient de mes souvenirs, que j'avais en moi une vie antérieure et que dans cette vie passée, en fait, j'étais bien Marianne Emerson. Je savais qu'elle était mariée parce que dans la cage d'ascenseur, j'ai vu très clairement une alliance à mon doigt, une alliance à son doigt.
Vous avez parlé de meurtre. Elle a été poussée. Par qui? Je n'en sais rien, je ne l'ai pas vue clairement. Mais je pense en réalité que c'était Mark Gage. Oh. Jeff, je n'ai jamais cru à la vie après la mort ou à la réincarnation, en rien de tout ça jusqu'à ce jour. Et vous devez probablement croire que je suis cinglée. Mais comment aurais-je connu l'existence de Marianne? Je vous demande de me croire. Connaissez-vous Gage? Oui, j'ai passé plusieurs heures avec lui. Uniquement pour me faire une idée. Il paraît que ceux qui étaient proches dans une vie antérieure finissent toujours par se rencontrer ailleurs. Oh, sûrement. Tout particulièrement quand ils se recherchent. Oh, je vous jure que je ne l'ai pas cherché. J'ai commencé à rêver un jour que j'étais à New York dans un taxi qui lui a pratiquement roulé dessus. J'ignorais que c'était lui jusqu'à ce que je le rencontre ici. Je pense que c'est là que tout a commencé. Gage est au courant? Je ne pense pas. Mais hier soir, j'étais à un dîner chez lui. Il m'a surprise en train de fouiller dans sa sacoche. Donc vous croyez que c'est lui qui a saboté votre voiture? Je n'en sais rien. Laisse-moi tranquille. Dans le rêve, vous êtes sûr que c'était Mark Gage? Marianne a dit son nom. Bon, moi aussi j'ai découvert des choses. Ce que vous m'avez dit hier m'a intrigué. Alors, j'ai passé plusieurs heures chez le médecin légiste à ressortir des dossiers poussiéreux. Écoutez, ça, c'est le rapport d'autopsie rédigé à la main par le légiste en 1963. Qu'est-ce qu'il dit? Des infos qui ne sont pas dans nos dossiers. Julie? Une légère ligne de dépigmentation et une marque au quatrième doigt indiqueraient qu'une bague fut récemment retirée. Environ 3 mm de large. Vous aviez raison. Que savez-vous d'autre? Comment ça? Avez-vous autre chose à me dire? Non, j'ai tout dit, je crois. Il est indiqué que Marianne était enceinte. Vous le saviez, ça? Ça ira? Oui. Non, on a réquisitionné ses armes il y a 3 semaines et j'ai pas... Dan? Bon, Steve, je vous rappelle dans 5 minutes. Oui, merci. Pourquoi ne pas avoir dit que Marianne était enceinte? Vous le saviez forcément. Oui, je le savais. Vous n'étiez probablement pas né en ce temps-là. Je vais vous dire, moi, en 1963, la vie était très différente. On était plus pudique, spécialement une jeune catholique telle que Marianne Emerson. Oui, je le savais, en effet. Et je ne l'ai pas mis dans mon rapport. Oh, je ne dis pas que c'est bien. Mais tu aurais fait la même chose si tu avais vu le regard des parents quand je leur ai lâché le mot suicide. J'ai pas voulu aggraver leur douleur en leur annonçant qu'elle était enceinte. C'est exact, je n'ai pas voulu appliquer le règlement. Et la bague? Ah oui. On a également cherché à savoir si elle avait un petit copain dans sa vie. Ses parents ont dit qu'elle ne fréquentait pas le moindre garçon. On s'est dit que ça avait dû être une aventure de nuit. C'est pour ça qu'elle a sauté. Quel pouvoir à l'époque Carter Gage avait-il, Dan? Carter? Pouh, immense. Vous le connaissiez? Oh, pas très intimement. En fait, j'ai travaillé pour lui parfois. Mes copains et moi, pendant ses réceptions, on faisait de la surveillance. Saviez-vous qu'il était propriétaire de l'immeuble où elle vivait? Vous croyez vraiment au mariage de Mark Gage et de cette fille? J'ai ici la copie du certificat de mariage de Mark et de Marianne. J'ai passé des heures à la bibliothèque à lire tous les articles concernant Mark Gage. Je sais que sa vie a changé de manière radicale depuis son décès. Il était promis un avenir politique et tout à coup, il a quitté son poste au bureau du sénateur et il a disparu pendant 2 ans. Quand il est revenu, il a secondé son père dans ses affaires. Beau travail. Ça suffit pour rouvrir le dossier?
Il n'y a aucune règle de limitation pour un meurtre. Parfait. Voyons ce que Mark Gage a à nous dire. Passez vite. Écoute, surtout ne brûle pas toutes les étapes, Jeff. Chaque chose en son temps. Cette affaire a attendu 30 ans, elle peut encore attendre quelques jours. Pour le moment, va à la mission. Je veux savoir d'où proviennent les armes, c'est bien compris? D'accord. Je vous suggère de vous reposer à l'hôtel et dès que j'ai fini, je vous téléphone. Vous m'emmenez dîner. D'accord. Ça marche. Bien. Il ne s'agit pas vraiment de sa mère et de sa réunion d'anciens élèves. Tu tiens vraiment à le savoir? Salut Alice. Ah, lieutenant. C'est vous qui rangez les dossiers? Je passe mon temps à ça. J'ai parlé à ta secrétaire. Elle dit qu'elle t'a pas vu. J'ai cru que peut-être tu cherchais à m'éviter. C'est pas mon genre. J'espérais que tu téléphonerais après ta petite soirée. Il était tard. Qu'est-ce que t'as découvert sur elle? En rien, j'en ai peur. Ouais, je parie qu'elle en sait bien plus sur toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, je crois qu'on en apprend bien plus sur quelqu'un s'il vous invite chez lui. Tu as découvert qui elle est? Elle pense qu'elle est la réincarnation de Marianne Emerson. Elle a parlé de rêves qu'elle fait, de Marianne et de toi. Elle sait des choses que personne d'autre ne peut savoir. Mais comment tu sais tout ça? Elle s'est confiée hier à l'un de mes inspecteurs. Ça m'a bien servi, mais maintenant il s'est piqué au jeu. Il veut absolument rouvrir le dossier. Et je ne peux pas l'empêcher. N'oublie pas qu'on est deux dans cette affaire. Je ne l'ai pas choisi. T'as toujours été un trouillard. T'as jamais pu affronter ton père. Il avait de beaux projets pour toi. Il était ambitieux. Le Sénat, le pouvoir, la gloire. Cette conversation est terminée. Non, je regrette. Qu'est-ce que tu veux? Non, qu'est-ce que toi tu veux? Tu veux donner des réceptions en son honneur, vivre à nouveau le grand frisson? Je sais qu'elle est ici pour te détruire, Mark. Quel que soit son nom, ouvre les yeux. Cesse de vivre ton passé. Nous devons à nouveau la tuer. Rendez-vous à l'appartement 404, à 21h. Laisse la porte d'entrée ouverte. Elle se prend pour Marianne. Elle mourra comme Marianne. Allô? Lynn, ici Dan Corso. Je suis content que vous soyez là. Eh bien, en fait, j'attendais Jeff. Il passe me prendre à 9h. Oui, je sais. Il m'a demandé de vous téléphoner. Il est chez Marianne, je veux dire, à son ancien appartement. Il dit qu'il a des preuves que Mark Gage l'a bien assassiné. Et il vous attend sur place. Je passe vous pendant quelques minutes, ça vous va? Très bien, je descends. Bonsoir. Bonsoir. Lynn, Jeff m'a parlé de vos motivations. Vous êtes sceptique, j'imagine. Ça vous étonne?
Si on tire l'affaire au clair, vous allez faire la une des journaux. Encore? Oui. Jeff? On est là! Il est sûrement monté à l'appartement. Attention. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre des voix. Ça ne peut être que lui. Jeff? Non, tu n'annonceras rien à personne. Je suis marié, c'est ma femme, tu comprends ce que ça veut dire, ma femme? Ton père ne te laissera pas gâcher ta vie et ta carrière. Elle n'est rien. Je fais ce que je veux. Maintenant, va-t'en, fiche le camp. Je ne veux plus jamais te revoir. Jeff? Alors c'est ici que vous habitiez? Tu l'as entendu? Il veut que je m'en aille. Avoue-le, notre mariage ne pourra jamais marcher, je le savais. Arrête! Ne redis plus jamais ça! C'est vrai, je l'ai entendu! Aie confiance, j'irai parler à mon père. Non, je te connais. Tu n'auras pas le courage d'affronter ton père. Est-ce que ça va? Oui. Bon, allons voir près de l'ascenseur. Jeff? Pourquoi vous enlevez l'échelle? Je vais vous montrer ce qui s'est réellement passé. Ça ne va pas? J'ai un peu la tête qui tourne. Ça va passer, vous verrez. Approchez. Ne la touche pas. Marc? Où est Jeff? C'est moi qui voulais vous voir. Je ne laisserai pas cela se reproduire. Mais enfin, de quoi vous parlez? Laisse tomber, Gage. On sait que tu as tué Marianne. Recule, Dan.
Qu'est-ce que tu comptes faire? La tuer à nouveau? Ça n'est pas vrai, Lynn. Mon père l'a engagée pour acheter Marianne afin qu'elle sorte de ma vie. Elle l'a menacée de tout dire à la police. Dan a pris peur. Et il l'a tuée. Je n'ai jamais rien dit afin de protéger mon père. Tout ça, c'est des histoires, Lynn. C'est lui qui a voulu vous tendre un piège. Il vous a amené ici pour faire croire que vous vous êtes suicidé, tout comme Marianne. Je ne te laisserai pas faire! Marc! Marc! Merci, laissez-la. Ça ira. Ça va aller? Vous tiendrez? Oui. Venez avec moi, c'est terminé. C'est fini. C'est fini, je suis là. Le cauchemar est terminé. Chut, je suis là.